Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce sixième épisode des aventures de Paul dans Illusion of Time ou Illusion of Gaia, selon comment vous le connaissez, hein, je le dirai à chaque fois parce que pas, comme ça je me tromperai pas. Donc comme j'ai dit à la fin de l'épisode précédent, je suis allé refaire la sauvegarde précédente et j'ai en fait je vais vous avouer que j'avais oublié deux rubis de feu. Comme je disais en parlant à Jonas sur le bateau. Sur le navire d'or un peu détruit, et à la maison juste avant, là où il y avait le chien. En fait, dès que vous sortez, tout à droite, il y a une jarre. Vous sortez de la petite maison de l'homme qui vous a sauvé. Vous allez tout à droite et il y a une petite jarre, et en fait, dedans, il y a un rubis de feu. Donc voilà, ça, je m'en souvenais plus. Donc là, nous sommes à Frisia. Donc moi, je dis toujours Frisia, je sais pas pourquoi. Donc là, vous voyez, il tombe des pétales de rose, donc Frisia, je crois qu'il y en a. Il faudrait que j'aille en fait, il faudrait que je m'arrête à l'hôtel. Donc, c'est pas l'hôtel, c'est une auberge en fait. Hein. On retrouve nos amis bizarrement. Ah, donc on a un nouveau problème. Luc, notre ami, est devenu amnésique. Ouais, mais voilà, il y a petit problème. Dans sa tête, hop, qu'est-ce que je cherchais? Dans une des jarres dans le deuxième, dans l'hôtel, donc en même temps j'essaye de. Voilà. Il faut regarder toutes les jarres. Hein. Ils disent qu'un rubis de feu dans ces jarres dans le deuxième étage. Je sais pas si je suis au premier ou au deuxième là. Je sais pas si c'est l'hôtel ou l'auberge qui parle. Ça doit être celle-là peut-être. Ah bah c'était celle-ci. C'est bizarre, c'est pas le deuxième étage, hein, c'est le premier étage. Quoique, c'est peut-être le. Non, c'est le premier. Donc on va aller un peu se balader dans cette petite ville. On va rentrer. Ah, c'est fermé de l'intérieur, heureusement. Tiens, personne. Ah. C'est un peu drôle. Hein. Cet endroit est toujours nickel, vous voyez, c'est un peu le bordel. Et ouais, on a tous une vision du propre. Le premier étage n'est pas nettoyé, ne monte pas. On va pas l'écouter. Et en fait, ça, vous voyez, c'est deux amoureux. Il y avait une poussière dans l'œil, oui, ça, bon, ce truc, on la connaît, ouais, bon, ils sont. Heureusement, je pense que ça doit être le frère, ça, parce que s'il nous dit de pas monter, c'est que. C'est qu'il veut pas qu'on aille les voir qui se fasse des bisous. D'accord, faut pas aller dans les quartiers noirs apparemment. Ah tiens, qui est-ce? Ah, Samuel le bijoutier. Vous voyez, il a toujours une apparence différente dans chaque machin. Donc j'ai droit à une herbe. Plus de 5 rubis de feu d'avril. Ma def elle augmente de 1. Plus de 8. J'ai ma vie qui augmente. Je vais voir qu'est-ce qu'il me reste. Voilà, donc vous voyez, dès que ça passe en rouge, dès que je les ai, donc il m'en manque 2 pour avoir l'attaque en plus. Et après on. Voilà. Est-ce que je peux sauter de là? Oui. Tiens, lui. On va
Là, on va aller par ici. La petite fille, non, qu'on lui a parlé. Ici, je suis venu déjà. Non, je suis pas venu ici. Je sais même plus. Je sais même plus qu'elle avait. Parler aux gens. Je parle quand même à tous les gens, mais bon. Je vais aller dans les quartiers arrière. Donc là, en fait, on arrive dans les quartiers arrière. Ah, on voit. J'ai pas mon... Je peux pas utiliser mon pouvoir ici, tiens. Ah, je crois que j'ai récupéré un rubis de feu. Ah non, c'est des herbes que j'ai trouvées. C'est ici. Ah. Une sauvegarde. Donc là, j'ai tous les rubis de feu, donc ça va aller, on peut sauvegarder. Ah, hop. Je vais fouiller toutes les poubelles parce que vous voyez, je trouve de l'herbe dans les... Ce pyromane, ce type c'est un peu raté. Alors, camp d'esclaves, hop. Hop, donc on peut grimper. Donc là en fait je suis obligé de toute façon de grimper pour pouvoir passer, sinon cet homme-là ne laisse pas passer parce qu'en fait ici c'est le... Lui en plus est au courant de ce... Apparemment, j'ai... Hop. Cet esclave a été aidé par un des... de mes amis. Je vais les passer par là parce que je crois qu'il y a des esclaves dans la maison. Tiens, on va lui parler à cette dame. Là, c'était fermé. Celle-là, souvenez-vous, c'était fermé de l'intérieur. Là, il y a les... Donc là, bien sûr, si je veux... C'est méchant, mais bon... si je veux le rubis de feu, je suis obligé de le dénoncer aux trafiquants. Et si je veux pas le rubis de feu, bah, je dénonce pas. Malheureusement, comme je dois faire le 100%, bah, je vais devoir faire le dénoncer. Voilà. Hop, voilà, on enfonce la porte. Donc, apparemment, ils travaillent, tous ces esclaves travaillent dans une mine. Hein. Hop, donc apparemment, j'ai encore...
trafiquant qui peut me donner un rubis de feu, donc en bas à droite apparemment. C'est un passage à bras, en bas à droite. Ça va être tout derrière. Peut-être que je retourne en arrière. Je vous dis, je vais récupérer tous les rubis de feu, hein. Or, ce que c'est le... C'est ce qui se passe quand on ramène tous les objets. Donc là, on va passer par ici. C'est bizarre, les portes ici, c'est juste des voiles. Ici, ça doit pas être ce passage-là, ça doit être par ici. En fait, il faut peut-être que je descende. Peut-être un endroit où il faut que je descende. Passage en bas à droite, bizarre, je ne vois pas de passage en bas à droite, hop, désolé pour cette petite pause. Peut-être que je rentre dans une des maisons. Non, c'est pas ici. Apparemment, ça serait là-bas en bas. Ce passage. De toute façon, je pense qu'il faut que je rentre par une des maisons. Donc c'est une maison avec un toit bleu, si je regarde bien. Donc ça doit pas être par ici. Trafiquant qui est tout seul, vous voyez la différence entre la couleur ici et le... Tiens, on va le parler à lui. C'est interdit aux enfants, mais si tu regardes pas comment c'est ouvert ici. Je vois pas où est ce passage par contre. Je vais me retrouver à faire le tour 36 millions de fois, je ne sais pas. Je vois pas du tout où c'est qu'il faut aller. Je vais essayer de pas rester ici trop longtemps non plus. Ils m'ont dit en bas à droite, donc en bas à droite c'est carrément par ici. Attendez, je suis pas passé par ici. Ouais, non, normal que je suis pas passé par ici, il y a rien. Attendez. Cette maison. Ouais. Maison, je la connais. Pas encore regrimper. Cette maison, c'est normal. Comment vous voulez que j'aille tout à droite? Il y a peut-être un passage. De toute façon, il doit y avoir un passage. Donc ici, j'y suis allé. Bizarre. Je comprends pourquoi j'ai jamais eu tous les rubis de feu. Toute cette maison ne me dit rien. Donc aussi ça doit être celle que je suis là en fait. Le passage doit être par là en fait. Je vois pas de passage par ici. Hein.
Ça doit être une maison dans le coin. Là, c'est fermé. Il faut que je repasse par un autre endroit. C'est peut-être par là, en fait. Pas de sortie par là? Non, pas de sortie par là. De toute façon, il n'y a pas de porte sur la droite. C'est ça qui est bizarre. C'est toujours à l'arrière ou à l'avant. C'est peut-être pour ça que j'ai... Voilà, c'est vous. C'est ça. C'est ça pour... C'est pour ça que j'ai jamais fini de... donc désolé, je vais encore refaire tout le tour. Il me demande à bas à droite, mais je veux bien aller en bas à droite, mais si je peux pas y aller, comment vous voulez que j'y aille? Si je peux, si ça sert à rien, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Peut-être une porte par ici, non? Ah, vous voyez là, le mur s'arrête. Comment je pourrais y aller là-bas? Bon bah on va faire hop. Donc désolé pour cette petite coupure, donc je suis allé voir pour la soluce et je me suis souvenu d'un coup en route avant de se... Donc si un jour vous voulez le faire, hein, et vous avez ce petit rebord où vous pouvez passer, vous avez juste à suivre ici, vous allez là, et en fait voilà, vous avez l'esclave qui est juste ici. Donc voilà, j'ai reçu mon rubis de feu. Il m'envoie ici. Bon, ici vous pouvez rien faire sauf passer ici et vous ramener ici. Voilà. Donc, malheureusement, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc à la prochaine. Donc désolé d'avoir fait toutes ces petites recherches de folie. Hein. Mais bon, fallait savoir qu'il y a un petit passage qu'on pouvait passer là-bas. Hein. Vous voyez, on peut pas le savoir. Hein. Attendez, je vais quand même regarder. On ne peut pas le savoir, vous voyez, par rapport aux autres. Comment je sais que je vais par là? Donc à l'époque, comment je pouvais savoir qu'il fallait que je passe par ici, hein? Regardez, ici, je pourrais passer aussi, c'est la même chose. Peut-être plus haut, je peux passer. Là aussi, je pourrais peut-être passer, m'envoyer dans par le décor, je sais pas. Donc voilà, hein, pourquoi ils vont passer là? Donc la suite, donc je me souviens de la suite et on va aller dans les mines diamantées là où sont tous les esclaves, donc on va aller sauver quelques esclaves de ces mauvais marchands, donc trafiquants, ici ça, ils sont appelés trafiquants et puis dans d'autres trucs ils sont appelés marchands, donc faut savoir. Donc voilà, donc attendez, avant d'aller, on va aller envoyer les rubis de feu à Samuel, comme ça on les aura fait et j'aurai vidé tout mon machin. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode où donc comme je disais, on ira à ces mines diamantées. Et je vous dis salut à tous.